Saison 2. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Apprendre les proverbes avec Julien et Julien. Alors Julien, quel est le proverbe aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe « Après l'effort, le réconfort ». Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire « Après l'effort, le réconfort » ? Alors, d'après le dictionnaire, « Après l'effort, le réconfort », ça veut dire qu'on apprécie le repos qui vient après une épreuve. Ouh là là, c'est un peu compliqué comme définition. Oui, c'est vrai. Pour faire simple, « Après l'effort, le réconfort », ça veut dire qu'après quelque chose de difficile, on apprécie encore plus quelque chose d'agréable. Ça nous réconforte. Mais on dit ça quand ? Tu peux dire ça pour motiver quelqu'un à finir une tâche, parce qu'il aura droit à une chose agréable après. Comme quand tu m'as dit que je pourrais avoir une barre chocolatée quand on aura fini d'enregistrer aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Ou alors pour dire que quelqu'un a mérité une chose agréable parce qu'il a bien travaillé. Comme la semaine dernière quand tu m'as donné 2 barres chocolatées après l'enregistrement parce que tu as dit que j'avais fait du bon travail ? Oui. Ou alors, simplement pour dire que les choses agréables, c'est encore mieux après avoir fait quelque chose de difficile. Comme une barre chocolatée après un long enregistrement, par exemple ? Oui, j'ai faim, moi, maintenant. Moi aussi. Allez, on se dépêche ? Eh bien, si on jouait une petite scénette pour montrer comment utiliser ce proverbe ? Oui, bonne idée. Alors mettons-nous en situation. Mais quelle est cette situation, Julien ? Alors, on parle de notre randonnée en montagne. Ok, c'est parti. Dis, Julien, on arrive bientôt. Pas vraiment, non? On a fait peut-être la moitié. C'est tout, mais on marche depuis des heures. Mais non, on marche depuis à peine 45 minutes. Oh, c'est tout, on dirait que ça fait des heures. Et j'ai chaud, je suis couvert de sueur. C'est normal, ça. Les randonnées en été, il fait chaud. Et puis j'ai mal aux pieds. C'est normal, tu as de nouvelles chaussures. Ça peut faire mal les premières fois que tu les portes. Et puis j'ai faim. Je peux manger ma barre chocolatée ? Pas encore. On la mangera quand on sera au sommet. Après l'effort, le réconfort. Nous ne voyons pas d'autre explication. Et voilà pour aujourd'hui. Essayez d'utiliser ce proverbe dans vos conversations. Oui, et on se dit à la semaine prochaine. Oui, au revoir. Au revoir.